Le pont David Laperrière, construit en 1931 sur 2 ans pour la modique somme de 263 992 $ et 30 sous. Il mesure 588,88 mètres, un des plus longs et des plus beaux de la province. Il y a seulement 2 ponts comme celui-ci au Québec, étant donné sa longueur et son ensemble de 26 travées, dont 5 avec sa structure métallique. Certains le surnomment un monstre d'architecture, considérant sa structure de béton et son assemblage métallique reposant sur des piliers. Le 1er août 1932, c'était la fin de la traverse en bac sur l'eau. Le pont était enfin ouvert à la circulation, qui avait pris de plus en plus d'ampleur. Au début, le pont vibrait, surtout sous le contact des sabots des chevaux. Petit à petit, les voitures prennent plus de place sur le pont. Mais surtout, ce que le pont représentait était une vraie révolution. Les communautés riveraines étaient maintenant reliées ensemble plutôt qu'isolées. Baptisé David Laperrière en l'honneur d'un ancien marchand général et constructeur de bateaux né à Pierreville, David Laperrière est devenu député libéral de la circonscription Nicolet-Yamaska de 1923 à 1930. Ensuite, il devient maire de Pierreville jusqu'à son décès le 14 janvier 1931, seulement quelques mois avant l'inauguration du pont. C'est un ouvrage qui a livré la marchandise. C'est vrai, hein? De 1932 à 2013, il a livré la marchandise. C'est quand même 80 ans. Le pont à Saint-François-du-Lac, c'était le premier pont routier qui reliait Saint-François-du-Lac à Pierreville. Mais déjà, un pont routier, il fallait que tu ailles à Drummondville avant d'avoir un autre pont routier. Quand tu commençais à être loin, ça éliminait les traversiers. La rue de la Traverse, il y avait un traversier avant le pont. On a tout un système de pointage qui a été développé par la direction des structures pour évaluer la valeur patrimoniale d'un pont. Fait qu'en faisant tout ce calcul-là, l'indice patrimonial de 63, qui est un indice élevé, donc pas très élevé, là, c'est... il aurait fallu faire des efforts encore plus pour le sauver, là. Mais on a élevé. Bon, le pont qu'on avait là, la partie en béton était très dégradée. Et les dégradations augmentaient d'année en année au niveau de la dalle, la délimination, les fissures. Ce n'était pas réparable, la partie en béton. Il fallait remplacer. Le problème de la partie en acier, c'est que tu n'as que 2 poutres. Tu peux pas en enlever une. Ça ne tiendra pas.
on a regardé, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose, de mettre des poutres temporaires pour essayer de sauver la structure. La partie patrimoniale, on a fait des analyses, puis à cause du maintien de la circulation, à cause de l'endommagement de la partie en structure, à cause de la difficulté technique de faire ça, des coûts, c'est multifacteur. C'est pas un facteur qui fait que le pont, on a dit on va mettre un X dessus, là, c'est multifacteur. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait remplacer l'ouvrage. Mon père était ce qu'on appelle percepteur au pont, de 1930 à 1935. Ça coûtait 30 sous par voiture et 10 sous par passager. Le percepteur avait toujours des livres pour aller travailler. Comme ça, le conducteur n'avait pas à payer. Sinon, il y a des voitures qui accéléraient et qui passaient à toute vitesse sur le pont pour passer gratis. Des vrais fous. Il y en a d'autres qui préféraient marcher sur le pont des trains. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour marcher, fait que quand t'entendais un train s'en venir, fallait que tu te dépêches de sauter dans les bacs d'eau qui étaient placés sur le pont. Sinon, je donnais pas cher de ta peau. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Pour occuper le poste de percepteur, on devait être bilingue. Fallait passer un examen. Pour mon père, c'était facile et pourtant, il parlait très mal l'anglais. C'est simple. C'était parce que toutes les réponses étaient déjà écrites sur la feuille. Ben oui, c'était comme ça à l'époque. Après les élections, papa a perdu son emploi. Il était plus du bon bord, son parti n'a pas été élu. Le nouveau percepteur, il n'a pas attendu que ça devienne officiel. Il est allé voir mon père, il a pris sa casquette, il l'a mis sur sa tête, puis il a dit « C'est moi, Astor! » Ben oui, c'était comme ça à l'époque. Moi, je me rappelle, j'avais 9 ans quand le pont a été construit. On avait une maison juste à côté, ma mère avait des ouvriers comme pensionnaires. Ils couchaient et mangeaient chez nous. Fait qu'on avait beaucoup de nourriture en stock au sous-sol. Je descendais en cachette, puis je remplissais un seau de pommes. Avec une corde, je faisais descendre le seau sur le chantier. Quand je le remontais, il n'y avait plus de pommes. Mais le seau faisait bien du bruit. C'était rempli de sous. 5 sous la pomme. J'allais m'acheter des chocolats Laura Socor avec l'argent. Quand ma mère s'en est aperçue, elle était pas contente.
chaque dimanche après la messe, il passait au-dessus du village. Il faisait ça pour m'impressionner aussi. Les gens s'attroupaient pour le regarder faire ses cascades. Un jour, il est même passé en dessous des piliers du pont pour remonter en tête d'épingle pour éviter le pont des trains. Un vrai casse-cou. Il faisait ça pour m'impressionner, celui-là. Et c'est assez incroyable. Moi, je dois avouer, ça me faisait rougir. Son nom était gravé sur mon avion. C'était pas mal courant. Tous les pilotes le faisaient. Bien sûr, c'est pour elle que je faisais des acrobaties, mais pour être bien honnête, c'était pour moi aussi. Capitaine Pierre Lecoq. Ah, je suis un sacré bon pilote. Puis comme mon père avant moi, j'ai ça dans le sang. Tout de suite, j'ai été repéré dans l'armée. Puis bien vite, je suis devenu instructeur pour des jeunes pilotes. À 24 ans, j'étais déjà capitaine. En 1944, je suis parti pour l'Europe. Je me suis battu avec les Alliés dans l'escadrille 403, Spitfire. Ben, quand la guerre a été finie, j'ai eu la chance de revenir sain et sauf au Canada. Mais ma vie avait changé. À mon retour, j'ai postulé pour être pilote commercial. Puis savez-vous quoi? J'ai échoué le test! C'est parce que j'étais daltonien, voyez-vous. Ben, j'ai finalement décidé de retourner aux études pour devenir médecin. Toujours au service de la population. J'ai eu 3 beaux enfants. Ma fille a déjà été au test de l'air, mais sinon, malheureusement, j'ai été le dernier des Lecoq à voler. Le 19 décembre 2012, à 18h, ma pagette sonne. C'est écrit « Sauvetage nautique ». J'arrive en vitesse à la caserne, on étend l'équipement au sol, les sauveteurs enfilent leur combinaison, et on se dirige en direction de Pierreville, sur le chantier du pont David-Laperrière. Je
Sur place, on nous informe qu'une barge a été emportée par la glace. Les amarres ont lâché. Quatre ouvriers du chantier sont coincés au milieu de la rivière. À cause de la température, de l'eau froide et des pics de glace, ils sont prisonniers depuis environ 2 heures. On analyse la situation, on procède rapidement et on se positionne du mieux qu'on peut pour commencer le sauvetage à partir de Saint-François. Deux de mes hommes avec combinaison embarquent sur un bateau attaché par une corde et tenu par d'autres sauveteurs sur terre. Avec mes jumelles, j'observe l'opération. Mes hommes avancent tranquillement en slalom avec le bateau jusqu'à la barge. Les premiers ouvriers sont ramenés à terre sains et saufs. On change d'équipe, on fait un deuxième voyage. Cette fois-ci, on embarque 2 ouvriers plutôt qu'un. Tout se déroule bien, maintenant on connaît le chemin à emprunter. On fait un dernier voyage pour récupérer le chef d'équipe qui voulait être secouru en dernier. Mes hommes et les ouvriers secourus travaillent ensemble. Ils tirent tous sur la corde pour ramener tout le monde en sécurité. L'opération s'est bien déroulée. On était très contents, tout le monde a été secouru, aucun mort, aucun blessé. Heureusement, les ouvriers ont été chanceux dans leur malchance. Le beau pont. J'y suis beaucoup attachée. Je suis née en même temps que sa construction. On m'a raconté aussi que mes parents, les McClure, auraient été les premiers à le traverser à l'époque. Ça, c'est notre maison. On habitait tout juste à côté du pont. J'ai passé une partie de ma vie à cet endroit-là. On était une belle famille de 15. J'étais une des plus jeunes. Moi, je repassais les chemises, je faisais parfois à manger. Puis ma première tarte, bien, je l'ai faite dans cette maison-là. Elle est allée directement aux poubelles. Ce qui m'a marqué le plus dans cette maison-là est arrivé juste avant mes 5 ans. Un jour, toute la famille était réunie dans sa chambre. Maman était couchée dans son lit. On la regardait. Elle avait les lèvres toutes bleues. Le prêtre a levé le bras. Il y avait quelque chose dans sa main. Il l'a posé délicatement sur sa bouche. Elle est morte quelques jours avant mes 5 ans. La journée que maman est partie, je suis sortie dehors avec ma grande sœur. On est allé jusqu'au pont et c'est là qu'elle a figé mon premier deuil sur une photo. Sur ce pont que j'aimais beaucoup. Okay.
m'habitue au froid. Je sais pas pour te dire, là, regarde, des fois, je travaille sans gants. Ça vient une habitude. Le gardien m'appelle, il dit « Viens en l'air, j'ai affaire à toi, je viens de coller la police. » Il dit « Il y a un gars qui a garoché un bicycle pédale dans l'air sur le pont. » Regarde, j'ai dit « Ouh! » Il dit « Entre le caisson, il dit le 8, le 9 puis le 10. » Ben j'ai dit « Regarde, il dit, y a du monde qui travaille là. » Là, je m'en vais voir, c'est où? C'est à peu près à 15 pieds, là où ils travaillent les gars. Là, la police arrive avec toute l'affaire, ça allait chier le bicycle. Ouh! Vous voyez l'affaire, c'est un jeune du village de Pierreville qui en voulait à un autre. Puis il est allé sur le pont, j'ai pris le bicycle, puis là, je t'en vais. Le 9 novembre 1931, Wilfrid Saint-Germain avait 25 ans et 11 mois. Wilfrid était ouvrier sur le chantier de construction du pont David de la Perrière. Cette journée-là, il faisait des travaux de creusage sur les piliers. Tout d'un coup, la terre a glissé. Il y a eu un détachement de la falaise qui ensevelit 5 ouvriers. 5 personnes sont mortes cette journée-là. Acide Morin et Joseph Ménard de Montréal, Médric Mondou de Saint-Pie, Théophile Capineau d'Odanac et mon père, Wilfrid Saint-Germain. Théophile Capineau était de la région. Il avait 22 ans. Sa mort a créé une forte émotion dans la communauté d'Odanac. C'était un jeune homme fort apprécié, gentil et très beau garçon. Il était populaire. Malheureusement, il n'a laissé aucune descendance. Il a été inhumé à Odanac le 12 novembre 1931. J'avais 1 an et 2 mois quand mon père a disparu. Ça a pris 10 heures pour retrouver tous les corps. On m'a dit qu'un monsieur Descoteaux a ramené mon père, puis a été exposé. Aujourd'hui, je peux même plus aller le voir. Le cimetière a enlevé sa pierre tombale. Elle était faite en bois.
Ma mère en a fait son deuil. Elle s'est jamais remariée, par exemple. Il y a même un des frères de mon père qui avait proposé de l'épouser. Elle a pas voulu. Elle a jamais beaucoup parlé de mon père. À l'origine, j'ai appris qu'il venait des États-Unis puis qu'il avait été adopté. Moi, j'ai grandi à Saint-Pie-de-Guire jusqu'à mes 17 ans. Après, je suis allé naviguer sur des bateaux pendant 16 ans. Je suis même monté troisième officier. C'est pour ça que je me suis marié pendant l'hiver. Je naviguais tout l'été, de mars à décembre. Ça, c'est ma première voiture. C'est une Météor Rideau 500. Elle est belle, hein? Mais c'est un maudit citron. Après la navigation, j'ai été entrepreneur peintre, 25 ans, à mon compte. J'ai engagé deux de mes garçons. J'ai été échevin à la municipalité et même maire de Saint-François-du-Lac de 1983 à 1991. Sinon, on est des grands voyageurs. À chaque année, on voyageait au Mexique, en République, à Cuba. Maintenant, on peut plus faire ça. C'est sûr, j'aurais aimé connaître mon père. J'espère qu'il aurait été fier de moi. On peut dire qu'il a laissé sa trace à travers moi. Une des choses qui m'a étonné, c'est quand on a cherché dans les archives de la direction des structures, parce qu'on cherchait des informations sur le type de pieux et tout ça, là, on est tombé sur des lettres qui ont été écrites par le surveillant des travaux, qui est un monsieur Poudrier. Puis c'est incroyable comment ça peut être moderne comme lettre. Tu lis ça, là, en tant qu'ingénieur, tu dis, ben, j'écrirais quelque chose de semblable. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans ce temps-là? C'est les moyens. Il n'y avait pas la mécanique, il n'y avait pas les ordinateurs, la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui. Mais ces gens-là, c'était des bâtisseurs, c'était des gens qui étaient très brillants. Là. Il n'y a pas de différence entre... Bon, on ne s'imagine pas, on a toujours l'impression que les gens, avant, c'était archaïque, puis ça ne va pas travailler. Mais tu lis ces documents-là, tu dis, c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Chasse-loup, on a parlé une partie de la dalle. En 2003, les citoyens d'Odanac, Pierreville et Saint-François-du-Lac se prononce sur l'avenir du pont David-Lapeyrière.
et affirme qu'il serait regrettable que nous vivions la disparition de l'architecture actuelle de ce pont, car il fait partie de notre paysage et notre héritage québécois depuis 80 ans. Le pont doit demeurer un symbole de la créativité et de l'esprit de diversité et d'adaptation qui caractérise si bien notre peuple. Nous voulons qu'il reste tel que notre mémoire s'en rappelle et nos yeux peuvent le voir. Le pont David-Laperrière n'était pas qu'un simple pont de ciment et de métal. Il fait partie du paysage et de la mémoire collective. C'est un morceau du patrimoine québécois qui disparaît avec tous ces souvenirs qui ont uni les gens du Bas-Saint-François pendant si longtemps. Le paysage change, mais la mémoire vit à travers nous. Préparez le prochain centenaire en ne vous déracinant pas d'un passé riche et si beau. Préparez-le en corrigeant ce que vous avez constaté de déficient dans le passé et dans le présent. Tene quod habes. Conserve ce que tu possèdes. Paul E. Gill, préfet des études au séminaire de Nicolet.